Connectez-vous rapidement. Je commence mon travail spirituel aujourd'hui à 7h, donc. Et pas beaucoup, beaucoup de temps. Allez, venez vite, 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 vite. Appelez, vite, vite, vite. Allez, partagez, partagez, vite, vite. Faites tout, vite, vite, vite. D'abord, je voudrais dire bonjour à mes cheveux. Les cheveux de la gloire glorieuse. Ok. J'ai un enseignement ce matin pour vous. Je veux que vous vous débarrassiez de certaines choses. De la fondation. Bonjour. Bonjour la reine Colette. Bonjour, bonjour, bonjour. Mes cheveux vous disent bonjour. Ça, sont les antennes. Regardez comment c'est connecté là. Ça cherche le réseau. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. J'ai environ 30 minutes d'enseignement avec vous. Je demande l'assistance des ancêtres. Ces ancêtres qui vous aiment tant. Peut-être que tu es maman Ticone, mais ta grand-mère qui est décédée, elle veut t'aider. Et quand ta maman Ticone meurt, elle devient une maman-ton. Donc c'est-à-dire elle veut t'aider. Vous avez les grands-mères-tons. Mais par contre, il y a des gens qui ont les grands-mères Ticone aussi. J'ai une jeune fille, l'autre jour, elle vient me voir, Yaoundé, elle me dit, elle s'est tellement engueulée avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui a dit, tu vas mourir. Elle me dit à sa grand-mère que tu vas mourir. Sa grand-mère lui dit à nouveau que tu vas faire l'accident, que tu vas mourir. Le lendemain, elle prend la voiture, elle vient à Yaoundé. À Douala pour me voir, pardon. En route, leur bus fait l'accident, le tonneau. La veille, sa grand-mère l'avait maudit. Ça, c'est une grand-mère Ticone. Ok. Bon, bonjour, bonjour, bienvenue. Partagez le direct. Parce que je vais donner des choses qui vont vous aider. Si vous regardez ceci en différé, je vous en prie, faites ce que je vais dire. Voilà. Donc, je demande l'assistance de vos ancêtres. Je demande l'assistance du Saint-Esprit, ange Michael, ange Gabriel, ange Raphaël, toute la lignée des anges là. Si vous avez des égrégores de mauvais esprit, pourquoi ne pas appeler l'assistance aussi de votre légion d'anges? Hein? Tapez vos oreilles. Tapez votre gorge. Vos yeux. Qu'ils ouvrent vos oreilles. Qu'ils ouvrent votre bouche. Qu'ils ouvrent vos yeux. Quand je parle, que vous puissiez entendre. Que vous puissiez être libéré de la gorge. Et que vous puissiez voir. Classique mode, je vais te supprimer. Tu as compris. Je veux enseigner, ne me distrais pas. Tu n'es pas la seule personne dans ce direct. Parle-moi, parle-moi. Simpleton ou Decepticon. Voilà. Donc, vous voyez comment je suis de bonne humeur. Bientôt, je vais commencer à vous gronder. Je vais commencer à vous gronder là. Quand j'enseigne, j'ai même 5 personnalités qui sortent. Je canalise même 5 énergies. 5 esprits différents viennent parler. Votre oncle vient parler. Votre grand-mère, votre arrière-grand-mère vient parler. Depuis que tu parles dans le rêve, tu n'entends pas pourquoi. Hein? Parlons seulement. Voilà. J'ai beaucoup enseigné sur cette page et mon but premier. Bonjour le roi Moussa. La lumière est revenue. Hein? Je bénis votre lumière, ma joie. Quelle que soit votre position géographique, quand vous avez un homme fort ou une malédiction générationnelle sur vous, va te cacher à New York, ça va te trouver là-bas. Va au Kazakhstan, va en Corée du Nord, ça va te trouver. Donc, j'ai été déçu à Abidjan. Tu portes tes pieds, tu dis que je vais partir loin à Washington. Ne te dérange pas.
Dès que je vais descendre de l'avion, ils seront là avec, avec la pancarte. Que Jocelyne, vous êtes venu me chercher. Est-ce que Jocelyne est là dans l'avion? Si pas l'avion, on est venu te chercher. Je dis, mais esprit Ticone, je vous ai laissé la main à Douala, non? Ah, Seigneur. Quand vous comprenez ce que vous expliquez, vous allez prospérer même à Bafoussam. Tu vas rester à Bafoussam, tu vas devenir millionnaire. À Bafoussam. Maintenant, je vais vous montrer ces entités-là. Hein. Supposons ta grand-mère. Ta grand-mère vivait à Batoufam. Et elle avait des dieux ou des ancêtres. Qu'elle partait souvent le matin comme ça là. Voilà le matin, non. Au village, il y a certains de vos ancêtres, même ceux qui vous détestent. Il y a vos Decepticons qui partent verser le sel, parler. Il y a les arbres sacrés au village où vos arrière-grands-parents là partaient souvent. Le matin, comme ça, là, ils parlent, ils dansent, ils font les choses. Quand ils faisaient souvent les réunions familiales, quand tu avais souvent 4-5 ans, là, ton arrière-grand-mère était encore vivant, non? Ou bien la mère de ton arrière-grand-mère était encore vivant, non? Ils partaient faire des choses. Et que vous le vouliez ou pas, même si vous rejetez toute votre famille, leur ADN, là, c'est dans vous. C'est ça qui m'énervait souvent. Donc, vous voulez me dire que, comme je rejette mon père là, hein, vous allez me suivre. S'il est parti faire des mauvaises choses, vous allez me suivre. Eh oui, oui. Ah oui, 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 oui. I am so sorry. I am going to tell you. Yes, it is going to follow you. Everywhere you go. Oui. Regardez vos cousines. L'autre en Belgique, l'autre à Washington, toi tu es à Bafoussam. Vous avez toutes un enfant, un enfant, un enfant. Toutes divorcées, divorcées, divorcées. Toutes. Je ne sais même pas. Oh, analysez les vies de vos familles. Peut-être que vous toutes vous êtes mariées, malheureuses dans le foyer jusqu'à le feu sort. Que tous vos gars vous trompent. Donc vous faites la réunion familiale. À part si vous êtes hypocrite. Tu vois les enfants de ta tante, les enfants de ton oncle, toi-même, tous les enfants de ta mère. Là, c'est relié à votre grand-mère. Ça remonte sur 2-3 générations, parfois même 5 générations. Partagez mon direct, ça va délivrer les gens. Quand j'ai conçu le kit fondation, je ne comprenais pas encore l'ampleur ou la profondeur de ce que je mettais dans le kit fondation. Il y en a parmi vous, tu as eu du succès, tu es tombé, même 5 fois. Tu observes ta mère dans sa vie. Ta mère est montée, elle est descendue. Elle est montée, elle est descendue jusqu'à ce qu'elle meure. Observe la mère de ta mère. Peut-être elle est encore vivante. Elle est montée, descendue. Elle s'est mariée, elle a accouché ta mère. 5 mois plus tard, son mari est mort. Depuis qu'elle a 17 ans, elle est veuve jusqu'à aujourd'hui. Ta mère t'a accouché à 22 ans. Elle-même, elle est morte. Toi-même, tu as accouché à 19 ans. Tu t'es séparé du père de ton enfant. Donc, il y a un démon dans votre vie qui fait que les enfants vont grandir sans leurs parents. Vous devez savoir identifier les hommes forts de votre vie. Et il y a même des hommes forts qui sont subtils, qui se cachent. L'autre homme fort là, le genre que toi-même, tu gâtes tes propres relations. Ah, il croit même que quoi? Il est même qui? Ah. Tu gâtes toi-même. Hmm.
La relation commence bien. Après, tu restes, la folie commence à te prendre. Tu deviens folle seule. Tu repousses l'homme là jusqu'à ce qu'il commence à lire. Ça change son cœur. Lui-même, il se fâche aussi. Et pas. Vous avez 3 enfants. Et toi, tu es consciente qu'à un moment, il y a un esprit qui est entré dans toi. Toi-même, la femme. Hein. Un esprit entré dans toi. Tu restes ça, tu wonder. Ok. Au début, j'aimais l'homme sinon. Aujourd'hui, là, tu ne veux même plus le sentir. Tu ne veux même plus le sentir. Tu l'as séparé de ses enfants. Tu l'as gâté partout. Tu l'as gâté partout. Et vice versa, ça peut être l'homme qui a gâté la femme. Vous savez qu'il y a les hommes forts dans les familles qui font que vous êtes tous en couple. Tous les enfants, vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. Vous devez vous asseoir, vous regardez que voilà pour nous. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que tout démon que tu n'identifies pas, tu ne peux pas le chasser. Au nom de Jésus, je me débarrasse de... Je n'ai aucun problème. Mais non, tu as des problèmes. Il y a des problèmes. Maintenant, je vous ai dit que l'enseignement d'aujourd'hui sera expéditif. Il y a des démons que quand tu vas identifier, tu vas enlever. Le premier va quitter. Tu vas voir le deuxième. Que yé, je savais que j'étais là. Il fait hello. Hello. Oui, oui, oui. Tu enlèves encore l'autre là. Après, quand tu enlèves le deuxième là, quelques temps après, tu vois encore l'autre. Et quand tu vois, c'est comme s'il y avait une révélation. C'est comme si la lumière, alors que tu vivais depuis, tu ne voyais pas. C'est comme si on a fait tada. On avait ça aha moment. Et like. Alors que depuis ta naissance, tu avais lui. Tu marches partout, il est avec toi. Tu pars à Bangui, tu pars à Djibouti, tu pars à N'Djamena, tu pars à Washington. Dès que tu descends de l'avion, il dit, hey, Jocelyne, je suis là. Viens, viens, viens. Tu vas dormir ou je vais partir avec toi. Oui, parfois vous êtes marié, le mariage n'a aucun sens. Tu laisses l'homme au Cameroun, tu pars à Dubaï, tu tombes sur le même genre d'homme. Bon, je vous ai dit qu'il y a les paroles que vos ancêtres ont prononcées. Il y a les pactes que vos ancêtres ont faits. Et malheureusement, quand vous entrez dans les églises, on te fait que tu détestes seulement toute ta famille. Oh, mon père. Moi, j'ai fait ça à mon père. Non. J'appelais mon père, il disait que papa, tu ne connais pas Jésus, tu vas aller en enfer. Que mon père, papa, tu dois accepter Jésus. Papa, tu n'acceptes pas Jésus, papa, tu en as fait. Tu ne connais rien, papa. Moi, je connais. J'ai accepté Jésus, je connais plus que toi, papa. Et on ne te montre pas le fond. C'est pour ça que tu es à l'église depuis 10 ans. Tu as fait tout ce que le pasteur t'a demandé de faire. Ta vie a avancé. Écoutez, self-examination, très important dans votre vie. Ne vous voilez pas l'esprit. Ne vous voilez pas le visage. Si je fais, c'est pour ça que quand vous venez avec vos témoignages, que oh, ça fait 2 semaines, ma vie a changé. Ça fait 1 mois, ma vie a changé. Parce que tu as fait 8 ans dans l'église. Einstein a dit que c'est la vraie folie. C'est de faire la même chose chaque jour. Et de croire que tu vas avoir des différents résultats. Il est crazy. Il est mad. Moi, il parle, ma bouche est sucrée. I know my talk is sweet. Ma tolide est fine. Il n'a même pas besoin de vos likes. Il n'a pas besoin de vos cœurs. Ne partagez même pas ma vidéo. Il sait que les paroles, c'est sucré. Ça me plaît moi-même.
J'ai tourné dans ma vie. Je monte, après j'ai l'argent, ça tombe. Quand je suis entré dans l'église, moi-même, mes greffes brésiliennes là, que j'avais acheté à 400 pounds, imaginez 400 pounds hier, ça a eu 9 ans. Moi-même, j'ai prié de nos gens. Mes oncles là, j'ai arrêté tout. Mes beaux habits que j'ai achetés à TK Maxx, Marks & Spencer, Selfridges, tout. C'est un peu comme un moment, c'est comme ça manipule ton cœur. Souvent tu veux être bien, souvent tu ne veux pas. J'ai coupé tous mes cheveux, j'ai pris les cabas, j'ai commencé à porter les cabas. Que Dieu veut que je sois humble. Je dois être humble ton, humble ticon, humble c'est que vous voulez. Pas la grosse voiture, non, non, non. Les Mercedes, À 23 ans, j'ai chargé dans les conteneurs de 40 pieds, j'ai envoyé au Cameroun. Quand le moment de me descendre est venu, moi-même, j'ai gâté. Et quand j'observais la vie de ma mère, ma mère est morte quand moi j'avais 19 ans. Ce qui fait que. Et ce n'était que les souvenirs que j'avais de la vie de ma mère que je restais. On s'est dit que, mais. Il y avait des moments où maman restait comme ça là. Elle avait l'argent. Je voulais rester s'habille bien. Après, ma mère reste comme ça et met que les foulards sur sa tête. Oh, tu vois ses doigts, c'est sale. Après, tu restes comme ça, tu vois maman sort avec nos maris. Après, maman dit que je vais me marier. Après, la personne disparaît. Après, maman fait des dépressions. Mais je disais toujours à Dieu, la vie de ma mère, là, le plafond qu'elle n'a pas pu percer, je vais percer. J'avais toujours la conviction dans mon cœur. Je ne sais pas. Ceux qui connaissent ma mère qui me suivent, j'ai vu un jour un autre, un oncle là, un tonton. Il me rit comme ça, il commence à pleurer. Il dit que tu ressembles à ta mère. Que l'énergie que tu as là, elle avait ça. Donc, je suis copié-collé ma mère. Maintenant, faites attention parce qu'on dit copier-coller. Ça veut dire que spirituellement, tu vas t'asseoir, tu dissèques. You dissect the life of your mother. Tu dissèques sa vie, tu analyses. Que ici, là, ma mère a échoué. N'ayez pas peur de dire ma mère a échoué, même si elle est encore vivante. Même si elle est encore vivante. Même si elle vit avec toi. Merci pour le partage. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Je mets une bénédiction spéciale sur vous. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tous les pouvoirs que j'ai, la maman avait ça. Maman était jumelle. Mais ma mère n'a pas opéré même dans 2% de son pouvoir. Le businessman. Ma mère te créait l'argent à partir de n'importe quoi. Elle reste comme ça, elle te fait 2 semaines de dépression. Après, c'est là, elle dit que. Elle prend une table, elle installe là-bas. En une semaine, elle commence à avoir 200 000 francs. Elle est partie peut-être de 10 000. ma mère, oh. Oh, maman Aurélie. Bon, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je l'ai dit. Je l'ai dit, maman. Elle est en train de rire. Oh my God. J'ai dû apprendre à me connecter avec ma mère. Parce que, voilà aussi une autre chose que vous devez apprendre. Vous avez trop rejeté vos ancêtres. Moi-même, j'ai rejeté mes ancêtres. Juste quand ils voient ma mère dans le rêve, quand elle me réveille, ils disent que, hey, Jesus, Jesus, Jesus. Maintenant, il y a des combats. C'est pas que les démons que vous ne combattez pas et vous ne gagnez pas, vos enfants vont devoir combattre ces démons. Il y a par exemple certaines familles, c'est le surpoids. Tout le monde dans votre famille en surpoids.
C'est un démon. Ta mère est en surpoids. Toi-même, ça fait comme ça là, ça fait comme ça là. Voilà ton démon. Je vais vous donner des rituels, des choses que vous devez faire. Maintenant, ceux qui ont déjà acheté le kit fondation chez moi, avec tous les enseignements que j'ai mis sur le kit fondation, vous ajoutez à mes enseignements ce que je vais donner aujourd'hui. Donc l'enseignement, c'est complète le kit fondation. Et sans le savoir, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà passées à vos enfants. Beaucoup. De la même façon qu'on passe la beauté à notre enfant. Quand tu accouches et que tu es belle, ton enfant sera belle. Tu n'as pas besoin d'être avec elle chaque jour pour qu'elle soit belle. Même si tu la prends, tu l'envoies en Corée du Nord, elle sera belle. C'est comme ça que les malédictions sont aussi. Maintenant, il y a des entités qui viennent. Peut-être ton grand-père avait énervé quelqu'un au quartier. Ou bien ton grand frère, ton grand-père pratiquait. Il a attaqué, il a fait du mal à quelqu'un. Ou il allait voler la femme de quelqu'un. Maintenant, la personne est partie chez le marabout. Parfois, il n'est même pas parti chez le marabout. Hein. Parce que je veux que vous compreniez le pouvoir de la parole. Toute parole qu'on prononce avec les émotions. Genre, on trouve ton grand-père dans le lit. Un homme trouve ton grand-père dans le lit de sa chambre à lui-même. Avec sa femme à lui. Avec toute la douleur. Il dit, Tania, Tania, je te maudis. Tant que Nungkum, je te maudis. Avec toute la rage. Il vient d'activer des forces qui vont parler sur la vie des enfants, de ceux, des petits-enfants, des arrêts, petits-fils de Tania. Je veux que vous compreniez comment c'est facile d'attraper la malédiction. Hein. Où ta mère est partie, elle a trompé, elle a sauté avec les hommes mariés. Quand les hommes ont trompé leur femme. Oh. Quand les hommes ont trompé leur femme. La femme pleure. Oh, voilà. Il m'a abandonné depuis 6 mois. Il n'est même pas passé avec les enfants. Que toute femme qui a pris mon mari, toute femme, je crache au sol. Je te maudis. Je te maudis sur 5 générations. Voilà comment toi tu portes la malédiction. Il y a Walter Photo. Si tu es pauvre, ne m'écris plus. Et c'est comme ça que cette malédiction, cette parole que la femme l'a prononcée, avec sa douleur, ça part sur ta mère. Ta mère, voilà, elle change de vie plus tard. Elle rencontre un homme, elle t'accouche. Tu grandis, tu es sorti du ventre de ta mère, non? N'est-ce pas? La malédiction qu'on avait mise sur ta mère, là, c'est sur toi. Et c'est calme. Hein? Les hommes forts, ils ne bavardent pas beaucoup. Bonjour la reine des Denise. Les hommes forts ne bavardent pas beaucoup. Ils se cachent. C'est pour ça que j'étais dit que tu voyages, tu arrives dans notre pays, ton homme fort est à l'aéroport, il t'attend. Homme fort de célibat. Hé, hey, Jocelyne! Hé, hey, ma copine, tu voulais me quitter. Tu crois que j'ai amené ça, toi, là? Tu es à New York, tu es toujours dans la même chose. Tu es toujours dans les mêmes problèmes. À New York, hein. Tu as laissé le père de tes enfants au Cameroun. Avec tes 4 ex qui t'ont fait le mal, là. Tu arrives à New York, tu tombes sur le même jardin. Même jardin. Bonjour, bienvenue à l'école de la spiritualité. Je vous apprends comment vous débloquer vous-même. Vous n'allez qu'à avancer. Bah, c'est que je vous enseigne tout ceci parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous dites que vous n'avez pas l'argent. À no game money. Je vais vous montrer comment vous sortir d'abord. Quand vous allez vous libérer, vous allez voir. Ouais, les marabouts, vous venez faire quoi dans mon direct? Écoutez aussi mon direct, vous vous libérez, non? Ouais, Seigneur. Mes antennes sont connectées. Je crois qu'il y avait ma chave en route comme ça. Là.
Je vais mettre mes antennes en haut comme ça là aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas faire descendre ça. Oui. Voilà, je vais m'acheter ça comme ça. Ok, continuons. De la même façon qu'on a pris l'homme fou, on l'a mis sur toi. Hein. Ça va faire que tu vas attirer le genre d'homme qui va correspondre à ce qu'on avait déjà dit de toi. Tu vois, tu peux dans une ville, tu arrives dans un bar, il y a 10 hommes. Deux sont célibataires libres qui peuvent sortir avec toi, vous vous mariez. Tu vas partir que sur l'homme marié qui a même déjà 4 maîtresses dehors. Tu deviens la 5e maîtresse. Ta vibration. Bon, je vous donne la solution directement parce que je dois. J'ai des rendez-vous un peu importants aujourd'hui. Je vous enseigne parce que je veux que vous puissiez comprendre. La première chose, vous devez faire une offrande. J'ai parlé de dîmes ici, là vous ne payez pas vos dîmes. Ne payez pas vos dîmes. Vous allez lire sur le calendrier chinois. Prenez une offrande. De préférence l'argent. En semant ça, hein, partez semer là où vous savez que la parole est prêchée. On donne la parole de délivrance. Tu déposes, tu mets dans l'Orange Money, tu déposes à l'hôtel, tu en même propos, je ne sais pas par quel moyen. Tu déclares. Comme je viens donner l'offrande ici, tout pacte qui a été signé par mes aïeux. Et tu dis, je remonte sur 6 générations. Si le Saint-Esprit t'inspire à dire même 10 générations, tu dis 10 générations. Tout pacte maléfique qui est en train de me suivre jusqu'ici et qui est en train de toucher mes enfants, cette offrande que je donne, c'est une offrande de délivrance. Parlez. Comme on paye pour que quelqu'un sorte de la prison. Vous savez qu'il y a les prisons. À Douala, par exemple, tu as 30 000 chaque jour, tu es dehors. Donc, sur le papier, on dit que tu es prisonnier, mais chaque jour, si tu as 30 000, on te sort de la prison, tu vis toi chez toi. Tu payes un mot à la prison chaque jour, 30 000. Donc, on achète tout avec l'argent. Tout. C'est pour ça que quand vos esprits là vous bloquent, ils font que vous n'ayez pas l'argent. Si tu as l'argent, tu me payes, tu me prends un jet privé, je viens chez toi. Moi. L'argent répond à beaucoup de questions, beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas. La Bible dit money answered all things. Dans la première chose, ayez l'argent. Vous devez avoir le cap. Que comme je dépose l'offrande ici, ne simplifiez pas l'argent. Ça peut être 500 que tu as aujourd'hui. Prends 500. Vous avez mon numéro OM sur le truc ici. Parlez sur l'argent que vous donnez. Ouais, parlez mes choses. Hein. Je parle, je ne doute pas de ce que j'ai dit. Ceux qui sont sur mon WhatsApp, je mets souvent les témoignages. Vous devez arriver à un niveau où vous nommez. Et tu décides que même s'il faut que pour les 6 prochains mois, chaque jour, je donne une offrande. Parce que certains d'entre vos enfants sont malades à cause de ces malédictions générationnelles. Chaque mois, l'enfant là te coûte 500 000 de soins. Tu aurais pu prendre 20 000 d'offrandes, tu peux pas donner. Mais comme tu. C'est la facture de l'hôpital que tu aimes payer, va payer la facture de l'hôpital. Le spirituel se résolve, le spirituel. Je continue. Première chose, donne une offrande. Deuxième chose, paye ta dîme. Pour moi, la dîme, c'est la base. Bonjour, Akono. Akono, chaque fois que je vais te voir, je vais te parler le badjoun jusqu'à ce que tu comprennes le patois. Akono, Amgaka. Ok. Vous devez
dans votre base, payez votre dîme. Non, Jésus, William Jackham. Moi, je prends l'argent jusqu'à. Je ne blague pas moi. J'aime l'argent. Même mon gars connaît. Un jour, je rentre je après, quelqu'un demande que la fille s'aime même quoi. Mon gars dit que pardon. Hein? Elle là. Même dans mon rêve. Dans mon sommeil. C'est pour ça que l'argent vous fuit. Souvent, il dort, dort. Après, il me dit que tu as parlé dans ton sommeil. Tu as dit que tu vas me donner l'argent. Je dis oui. I like money. Voilà. C'est clair, non, William? Je peux continuer maintenant. Tu es Decepticon ou tu es Simpleton? Identifie-toi comme ça et dis-le avec toi. Voilà. Troisième chose que tu vas faire. Il y a les lieux sacrés dans vos villages. Certains d'entre vous, il y a les tombes de vos ancêtres. Ça fait... Oh, je passe souvent au village. Souvent quand j'ai quelqu'un en consultation, je me dis, je passe souvent au village. La dernière fois que tu allais au village, c'était quand? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas. Ne te dérange pas, William. Tu peux me juger. Je m'en fous. I don't give a fuck, you know. C'est seulement parce que ce n'est pas le temps de t'insulter. Je n'insulte même pas le temps. Les gens, tu vois, je n'ai même pas besoin. Mais j'ai vraiment rien à faire de ce que tu penses de moi. Je m'en fous. Tu as compris? Tu ne me donnes pas l'argent. C'est pas toi qui me donnes l'argent. Tu as compris? Je crois que tu es pauvre. Voilà, continuons. Ça fait 3 ans que je suis parti au village. Ça fait 3 ans. Tu ne dois pas rester 3 mois. Tu n'en vois pas. Moi, je vous dis moi mes choses. Oh. Certains d'entre vous, vos grands-pères sont fâchés au village. Ils sont fâchés. Que depuis que tu es parti à Washington, tu nous as oubliés. Les ancêtres de Tefap. Ou les ancêtres de quoi? Les ancêtres de la communique avec les ancêtres de Washington. Hein. Moi, je vous dis. Et ne partez pas faire le sarc au village avec tout le monde. Genre, ma famille va faire ça le 8 août. Je vais aller avec tout le monde. Tu dois faire pour toi. Pour toi, sur ta tête. Tu fais aussi pour tes enfants. Et quand tu fais, tu parles sur la tête de chacun de tes enfants. Allez lire Job chapitre 1, verset 5. Job faisait des sacrifices pour chacun de ses enfants. Écoutez, je vous prends avec n'importe quel document que vous voulez. Sortez-moi la Bible, je vous montre. Job a appelé ses enfants, il les lave d'abord. Il va prendre l'eau au fleuve du lieu sacré là-bas. Il appelle chacun de ses enfants, il les met là-bas. Allez, lavez-vous. Il met le sel dedans. Il met un peu de débloquement là. Il parle dessus. Il lit. Il lui dit. Il dit, lavez-vous. Après, il part, il dit, je fais le sacrifice ici sur la tête de Papou. Je fais le sacrifice ici sur la tête de Pitou. Je fais le sacrifice ici. Paul Daniel, ouais, Decepticon, tu sors d'où? Paul Daniel, je te nomme, tu es Decepticon. Tu as compris? You didn't hear me. Tu vois une fille avec des antennes comme ça, tu n'as même pas peur de venir m'insulter. Ouais, Seigneur. Hmm? Je ne maudis jamais les gens en direct. Et je ne vais pas le faire pour toi. Donc, passe ton chemin. Tu n'as même pas peur des gens. Hey! Aïe, 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 aïe. Ah. T'es ça, bye bye. Je suis là pour le matin cela. J'ai des choses que je veux montrer aux gens qui me suivent. Oui, pourquoi il y a beaucoup de zèbres qui condamnent mon truc ce matin? Moi, je prends l'argent, hein. Vous avez compris? Je prends l'argent. J'aime l'argent. Comme ça que vous faites pour être, vous voulez être religieusement correct.
Tu viens devant le pasteur. Ah, pasteur, je n'aime pas l'argent. Hey, pasteur, je touche seulement 1 000 euros. Moi, il n'aime pas moi l'argent. Si tu dis au pasteur que tu touches 10 000 euros. Vous ne connaissez pas. Vous êtes trop humble. Parce que si tu dis que tu aimes l'argent, on va t'insulter. Insulter. Et les gens, même que tu veux faire le beau devant eux, ils te donnent l'argent. Vous là, vous me donnez l'argent. Donc j'ai dit, visitez le village. Si vous êtes à distance, envoyez un parfait. Envoyez. Envoyez, faites le orange money, faites le wave. Send wave, faites ce que vous voulez. Donc quand il voit mes antennes, tu n'as pas peur de mes antennes, là. Moi, s'il vient à dire que je vois quelqu'un comme ça, là, gars, je vais avoir peur. Mamie, pardon, passe-moi. Je ne sais même pas. Maintenant, en numéro 4. Vous avez suivi que le numéro. Oh, Mani, Mani, Mani. Ouais, Seigneur. Écoutez, quelle que soit votre religion, je pense que les gens de Facebook, vous avez trop de haine. Si tu me dis que tu es chrétienne, tu ouvres la bouche, c'est la haine qui sort. Ton christianisme là pour moi c'est zéro. Tu me dis que tu es traditionaliste, tu es kamite, tu es n'importe quoi. Et tout ce que tu sais faire c'est insulter. C'est la haine. Pour moi, ce que tu dis là c'est zéro. Parce qu'il connaît. Vous allez rester au salon, non, pour nous c'est ce qui est ça. Je ne juge personne. La preuve, que ce soit musulman, chrétien, n'importe où, entre vous asseyez. Asseyez-vous dans ce que j'ai dit, tu vas trouver ta part. Tu vas trouver ta part. Oui. Numéro 4, si vous avez suivi ce que j'ai dit en numéro 4, vous voyez que vous allez, il y a les grands-pères, les ancêtres au village, vous devez aussi faire sacrifice sur la tête de vos enfants. Il y a les lavages de vos enfants. Et dans le 5, le dernier. Ça complète le kit de fondation. Ceux qui ont acheté les kits, mes représentants, vous achetez chez eux. Donc, vous prenez, je vais faire une vidéo où je vous montrerai. Vous prenez le sel. Sel. Cendre. Si tu n'as pas la cendre, tu en bain. Prends le papier, tu brûles. Tu prends le papier, tu brûles. Prends même 5 formats, tu brûles. Dès que tu finis de brûler, ça devient la cendre, non? Tu dis que tu n'as pas le bois pour que tu brûles, ça devient la cendre. Prends un cahier que tu as fini d'utiliser. Tu brûles. Tu mets dans un petit bocal, non? Et tu as Washington, tu n'as pas la cendre. Tu brûles. Quand tu as fini de brûler, il y aura la cendre qui va rester dedans. Non? Oui. La cendre, c'est l'élément important. Cendre, si tu as le don, ou le jujube. Et le jujube, ça ce serait super. Don et jujube. Ou bien don ou bien jujube. Si tu as les deux, mets les deux ensemble. Tu prends ça, tu écrases sur la pierre. Même si c'est la cendre de l'encens. Donc, tu prends cendre, 3 pincées de sel. Donc, pour la cendre, peut-être, tu peux prendre 2 cuillères à soupe de cendre, 3 pincées de sel. Peut-être même 16 grains de jujube, 16 grains de don. Tu écrases, tu mets dans le mélange de cendre, sel et truc là. Dans ce mélange, tu peux le mettre avec ton gel douche. Parce qu'il y en a parmi vous dans le pays où vous êtes, vous n'avez pas encore pu recevoir mes produits.
J'ai parlé avec une fille en Chine hier. Elle dit que la Chine ne reçoit rien. Il y a la Chine, il y a, je crois que c'est Dubaï. C'est assez difficile de parler à Shell, ça ne passe pas. Donc tu prends ça de toi-même là, comme ça, chez toi. Tu mélanges. Tu mets peut-être dans un petit bocal. Tu verses le gel douche dedans. Ou bien si vous avez le savon noir. Tu vois le savon qui est mou là, non? Ou bien tu prends le savon, tu râpes. Tu mets dedans. Tu mets un peu d'eau, tu tournes. Tu lis le psaume 35. Psaume 51. Tu lis ça sur le mélange que tu viens de faire là. Voilà. Quand tu pars à la douche pour te laver, tu mets tes quelques encens là, tu brûles quelques encens. Tu prends un peu de ça dans ta main, tu mets sur le gant. Et avant ça, tu peux mettre l'huile rouge sur tes pieds. Tu parles. Tu dis que comme je viens loin de mes pieds, tu avais l'huile rouge ici. Si tu n'as pas l'huile rouge, tu prends l'huile d'olive. J'enlève toute malédiction que j'ai portée. Si c'est les endroits où je suis arrivé, j'ai piétiné les choses. Si je suis entré dans les lieux sacrés sans savoir. Si j'ai marché dans les lieux où on avait mis les malédictions, j'ai porté. Si j'ai même pris les malédictions de ma famille, oh, comme je viens loin de mes pieds comme ça là, j'enlève. Maintenant, tu ouins tes pieds comme ça là. Tu prends maintenant, donc tu es dans ta peignoir, ou même dans là où tu te laves. Tu ouins tes pieds avec l'huile. Après maintenant, tu prends le gel que tu viens de composer là. Prends un peu, tu mets sur le gant. Tu te frottes le corps en priant. Tout homme fort, tout mari de nuit, tout malédiction générationnelle qui me localisait depuis. Comme je me lave là, comme je me frotte, j'enlève. Après, quand tu frottes tout ton corps en parlant, tu peux te frotter le corps comme ça là, en lisant le psaume 35. Tu lis en boucle, tu lis. Ou bien tu fais jouer sur YouTube, tu répètes. Quand ça joue, tu répètes, tu parles. Donc tu me prends le téléphone, tu mets en audio. Quand ça lit, psaume 35, psaume 51, psaume 91. Seigneur, je me purifie. Je me purifie. Tu fais ça pendant 3 jours. Avec 3 jours de jeûne. Et si tu as déjà identifié les malédictions générationnelles, peut-être qu'il y avait des hommes forts dans ta vie que tu as identifiés. Je me débarrasse de tout esprit de célibat. Je me débarrasse de tout esprit qui fait que je ne suis pas heureuse dans le mariage. Je me débarrasse de tout esprit qui fait que mes finances sont comme le yo-yo. Ça monte et ça descend. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je ne suis pas bien. Je me sors de tout puits collectif dans lequel on a mis les membres de ma famille. Je viens comme ça me délivrer et je délivre les membres de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, fais ça, tu jeûnes pendant 3 jours. Et en jeûnant, tu médites sur le passage suivant. Isaïe 58, versets 6 à 13. Il dit que voici le jeûne pour briser, pour défaire les chaînes de la méchanceté. Et le dernier passage que je vous donne, Matthieu 18, verset 18 et 19. Faites ça, vous allez venir me dire. Dans 3 mois, votre vie va changer. Ah, je reste comme ça, les ancêtres m'inspirent. Non, je l'ai fait. Je fais d'abord sur moi, ça marche. Il est waka. Après, il vous donne. Et ce n'est pas parce qu'un décepticon va voir que tu connais ça dans le direct qu'il va aller faire quelque chose, ça va te bloquer. Ceci là, parce que je sais que j'ai mes décepticons, j'ai mes tanticons, j'ai mes onglicons. Vous savez que je sais maintenant. Donc si les gens là savent que tu sais, ils ne vont rien faire pour que tu te sortes de là. Pour empêcher que tu sortes de là. Donc ce que je vous donne, c'est ça marche en dépit de leurs malédictions et de leurs incantations. Qu'ils sachent ou pas que tu connais déjà, tu vas sortir de là. Parce qu'avant qu'elle me disait, ah, Et si je fais comme ça là, ma tanticone la connaît. Si elle connaît que je connais, même si elle connaît, ça va marcher. You did hear me? L'autre site là, c'est en dépit de. Ils sont sur ma page, vous êtes aussi là. Vos belles méticones là. Et vous pouvez aussi faire ça. Si vous êtes marié légalement à un homme, vous pouvez faire ça aussi pour sa propre famille. Que je me mets comme ça là, je prie. Je débarrasse Jean Bosco des esprits négatifs de sa mère, des trucs que sa mère et son père lui ont passé. Que Jean Bosco, tu es mon mari. Tu vas, selon Genèse 2, verset 24, je te libère. Vous allez voir que vos maris, là, il va quitter de Mariticone à Mariton. Mm-hmm.
Quand il parle, il sait que c'est sucré. Je sais qu'il parle les bonnes choses. À des talks, sweet talk. J'ai les paroles qui libèrent. Apprenez à vous discipliner dans votre travail spirituel. Faites le travail si là vous jeûnez 3 jours ou 7 jours, selon la direction de l'esprit. Vous faites ça pendant 3 mois. Le mois si tu fais, le mois prochain tu fais, le mois d'après encore tu fais. Jusqu'à ce que tu vois. Parce qu'il y a des choses qui vont se décanter même en 6 mois. Ça va prendre du temps pour se décanter. Tu fais, tu fais, tu fais. La cendre là, c'est une âme. Tu te frottes avec, tu te frottes. Après, quand tu verses l'eau sur toi, tu dis que comme je me verse l'eau comme ça là, toute malédiction là, ça part. Ça part. Si vous connaissez les noms de votre anticone alors, c'est grave. Tu prononces ton nom. Que je te chasse de ma vie. Que je te chasse de ma vie. Ah. Je m'aime, je m'aime. Je suis votre Jésus. Je vais vous donner des choses qui vont vous libérer. Et le truc, c'est que quand je parle là, toi-même, tu vois. On s'est trop assis sur votre destinée. Trop. Parfois, elle-même, elle te dit que tu ne vas pas avancer. Et tu pars, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu vas sortir de là. T'anticone. Onclicone. Déjà, elle tente qu'elle parle, elle parle, tu tournes, après tu reviens encore pour la voir. Elle t'a dit que je suis ton aéroport. Aujourd'hui, là, tu sors de l'aéroport, là. Tu crées ton propre aéroport. Tu construis ton aéroport toi-même. C'est même quoi, ça? Dès qu'elle connaît que tu es un fiancé, ça se casse. Dès qu'elle connaît que tu es un fiancé, ça se casse. C'est quoi? C'est quoi? Ne m'écoutez pas seulement. Allez faire ce que je dis. Allez faire ce que je dis. Je viens vous libérer pour que vous alliez poser des actes qui vont vous libérer. Je mets l'action en vous. Mais quitte que vous avez acheté, vous avez déposé sur votre table là depuis. Aujourd'hui, vous prenez ça, vous travaillez avec. Je remplis vos comptes bancaires pour que vous achetez les produits que vous l'achetez depuis. Au nom de Jésus, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Bon, je dois partir. J'ai les lavages à faire ce matin. Bye bye. Bye bye. Je viens bénir ce que vous avez écouté ici. Je déclare que ça ne tombe pas dans une terre infertile. Je déclare que ce que vous avez pris comme décision en m'écoutant, ça va marcher. Igowaka. Je viens soulever vos antennes spirituelles. Oui. Oui. Oh, mes antennes, ils me plaisent. Oh, oui, 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 le feu sort, le feu sort. Seigneur, je bénis tes enfants, je bénis tes enfants qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je les bénis, je les bénis. Je vous bénis, je vous libère. Je vous sors des prisons dans lesquelles on vous avait mis. Les fausses communes familiales là, je vous en sors. Au nom de Jésus. Quand il va rentrer au Cameroun, je crois qu'il va faire un tour dans le nord là-bas. Parce que vraiment, le nord me suit. Je sens que vous allez vous occuper de moi plus que les gens de Douala là. Vraiment, le nom, vous me plaisez dans le nom. Vous me plaisez. Vraiment. Je vous mets dans mon cœur. Je vous mets dans mon cœur. Abidjan. Abidjan, on me traite comme une reine. Au Cameroun, on m'appelle seulement la reine Jocelyne. Jeune Jocelyne. Voilà. Je viens sceller ce que vous avez vu et ce que vous allez faire. Quand vous allez faire votre travail, moi, j'apparais là-bas et je vous assiste. Je vous assiste avec mes anges. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Préparez-vous déjà pour le lavage du 1er avril. Donc, chaque début de mois, les premiers, on fait le lavage. Ceux qui ont leur règle le premier, le 5, il y a un autre lavage qu'on fait encore. Ok? Donc, inscrivez-vous déjà. Les lavages du premier. Préparez-vous en avance. Vous pouvez venir me contacter le premier à minuit. Dites, oh, je vais faire le lavage. Voilà. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis.